Hugo, je n'en peux plus, moi. Combien de temps devons-nous rester comme ça, déjà? Chut, Eric, il faut vous concentrer. Mais j'ai des crampes partout, moi. Assume, Eric. Après tout, c'est toi qui as demandé à Hugo de nous faire faire ce voyage astral. Bon, je suis d'accord, mais si mon pauvre corps pouvait parler, bonjour les plaintes et les gémissements. Et puis, elle est ridicule avec cette pomme sur la tête. Mais c'est pas la pomme qui est important. La pomme, c'est le catalyseur de vos énergies mentales. Bon, les copains, ne vous moquez pas de moi. Je viens de vivre un véritable cauchemar. Oh. Mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, si tu savais. Mais enfin, Eric, revenez, vous n'êtes pas sérieux. Mais vous n'y pensez pas. Vous voyez bien que Framboisier a des problèmes. Tout de même, on ne peut pas le laisser tout seul. Tu viens, René? René ne peut pas bouger, Eric. Regardez, sa pomme vient de se désintégrer. Oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, Hugo? Eh bien, ça veut dire qu'il va partir très très bientôt. C'est super, non? Super, super. Ouais. Vous parlez dans les moments difficiles, il y a que les grands copains qui restent. Les autres se débinent. Mais c'est vrai, ça, René, en fait. Tu pourrais faire un effort. Tu vois bien que Framboisier a besoin de nous. Mais où est-il? Mais enfin, ça y est, Eric. René est parti. À présent, il vogue dans les hautes sphères astrales. Mais comment se fait-il que ça se soit passé si vite pour lui? Eh bien, s'il a perdu sa pompe dans quelques minutes, c'est que sa force spirituelle devait être plus grande que la vôtre, Eric. Mais, ma force spirituelle, mais elle va très bien, ma force spirituelle, si vous voulez le savoir. Et puis moi, je ne perds pas ma pompe quand les copains ont des embêtements et des priorités, après tout. Merci, mon petit Eric. Merci. Alors, explique-nous tout. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Mais tu comprends pas, Eric. J'ai perdu Mathilde. Alors, que le René, il ait perdu sa pomme, tu comprends, entre perdre une pomme et un grand amour, il y a quand même une sacrée différence. Mais vous ne comprenez rien, Framboisier. C'est très, très important de perdre sa pomme pour atteindre les hautes sphères astrales. Eh bien, moi, ce sont les hautes sphères du mal d'amour que je suis en train d'atteindre. Attends. Tu veux dire que toi, Framboisier, tu es amoureux? Eh oui, Eric, je suis amoureux. Eh bien, c'est formidable. Formidable? Mais je souffre, et vous trouvez ça formidable? Parce que, en plus, tu souffres. Ça se voit pas que je souffre. Tiens, je suis même sûr qu'on peut en mourir du mal d'amour. Mourir du mal d'amour? Oui. Vous êtes sûr? Mais il n'y a pas de docteur pour soigner ça sur votre terre? Qui va mourir du mal d'amour? Ouais, Framboisier. C'est une blague ou quoi? Oh. Non. Oh là là, Mathilde, je crois que je m'en remettrai pas. Pourquoi tu m'as quitté? Dites-il, il répète un rôle, je trouve qu'il y va fort, hein. Tu ne vois pas qu'il souffre, non? Oh, Framboisier, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? De la mousse au chocolat. Et ça, c'est du coulis de fraises. Tu vois bien que c'est grave, hein? S'il noie son chagrin maintenant dans la mousse au chocolat et le coulis de fraises, ben alors c'est... Mais c'est pas ça, Eric. C'est Mathilda qui m'a renversé le saladier de mousse au chocolat. Mais pourquoi elle a fait ça? C'est une coutume amoureuse chez vous, les humains? Oh là là, pas vraiment. À mon avis, elle devait sûrement être très en colère, il me veut. Bon, vas-y, Framboisier, raconte-nous. Oui. On dînait en amoureux avec Mathilde dans un resto, quand tout à coup j'ai vu arriver Hilda... Et Mélie. Ah, mais Hilda, c'est pas la grande Autrichienne, là, que tu appelais ta Sissi, ton impératrice. Oui, et Mélie, la petite chinoise, pour laquelle tu voulais devenir bouddhiste, je sais quoi. Mais vous vivez dans le passé, vous. Moi, je suis pour l'avenir. Et l'avenir, c'était Mathilde, là. Admettons. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en moins de deux, ces deux monstres se sont jetés sur moi et m'ont couvert de baisers. Alors là, crac! Mathilde m'a aussitôt renversé tout le saladier de mousse au chocolat dessus en me disant que tout était fini entre nous. Et c'est pas tout. Après, Hilda m'a écrasé une tarte à la fraise sur la figure et Mélie m'a couvert de crème chantilly. Est-ce que c'est drôle? Ah bah, non, pas vous, gueugue. Et alors, mec, qu'est-ce qui lui arrive à lui maintenant? Si vous saviez ce qui m'arrive, les copains.
Moi, je crois que j'avais deviné. Je vais te le dire. Je crois que tu es tombé dans une belle ordure. Mais non. C'est Valériane. Elle m'a renversé la poubelle sur la tête. Ah bon, bah ça veut dire qu'elle a changé de méthode. Maintenant, c'est plus une gifle. Mais si. Elle m'a d'abord giflé. Et la poubelle, ah bah c'est venu après. Eh bien, elle devait être drôlement furax. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien. Elle avait mis une perruque brune, tu sais, pour changer de look. Et puis moi, je lui ai dit pour rigoler, ah bah, ça tombe bien, j'adore les brunes. Ça, alors, toi, mon Minet, il y a des fois, tu y vas un peu fort quand même. Mais moi, je disais ça juste pour plaisanter, tu vois. Oui, mais seulement, plaisanter avec Valériane, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Ouais, vous préférez les ordures ménagères à la mousse au chocolat? Vraiment très bizarre, ces terriennes qui jettent de la nourriture sur leur amoureux quand ils sont en colère. Il faut absolument que j'étudie ce phénomène. Regardez les copains, pour vous remonter le moral, je vous ai préparé tous les desserts que vous préférez. Choux à la crème, crème caramel et même mousse au chocolat. Ah, il a dit mousse au chocolat. Qu'on ne parle plus jamais de mousse au chocolat. Tu vois pas, tu retrouves le couteau dans la plaie. Oh, excuse-moi, framboisier, tu sais, je croyais bien faire. Mais enfin, ce n'est pas grave, parce que Minet l'adore, lui, il va la manger. Oh non, Eric, pas vraiment, tu sais. J'ai l'estomac tellement noué que je peux rien avaler, ça c'est sûr. Enfin, les copains, il faut réagir. Après tout, une de perdue, 10 de retrouvée. Oui, bien sûr, et puis en plus, si on réfléchit bien, on se demande ce qu'on leur trouve aux femmes. Hein? Vraiment pas des cadeaux. Tiens, même la meilleure, eh bien, elle a plein de défauts. Ouais. Ça, c'est sûr. Elles n'ont pas d'humour, elles bavardent tout le temps. Oui. Elles sont même capables d'être hyper violentes. Oh, Valériane, des fois, elle a comme un éclair de bête fauve dans les yeux. Oui, et puis alors, dans la main... Et si encore elles n'étaient pas possessives, capricieuses, bavardes, tout, bah, tous les défauts. Oui. Et encore, on en passe, hein, ah. Vous voyez bien, hein, pas une pour relever l'autre. Non, j'exagère un petit peu. Ma Françoise, hein, par exemple, c'est une exception. Ouais. D'ailleurs, elle doit m'attendre dehors, je suis sûr qu'elle m'a préparé un petit gâteau pour fêter notre premier mois. À tout à l'heure. Ouais, tu sais, t'as de la chance, toi. Ça me fait quand même mal au cœur de voir que Rémi a trouvé une femme formidable, alors que moi, personne ne m'aime. T'as raison, Françoise. Moi aussi. Mais enfin, les dames, mais remettez-vous, sachez patienter, en fait. Ça va vous arriver, à vous aussi. Regardez Rémi. C'est pas un gâteau d'anniversaire, c'est un gâteau de rupture. Elle a pas mis longtemps à devenir comme toutes les autres, hein, ton exception. Je comprends pas, je pensais avoir tout prévu. Et seulement, elle est tombée sur la lettre d'une vieille copine et elle veut pas comprendre qu'on n'arrête pas une relation vieille de 10 ans comme ça. Ouais, les femmes, elles sont toutes bornées, alors. Tu es râleuse, mais jalouse. De vraies mégères. En tout cas, c'est la dernière fois que je me laisse piéger par une fille. Hein. Et de toute façon, je peux plus les voir en peinture. Eh ben moi non plus. La prochaine fois que j'en vois une, je tourne la tête de l'autre côté. J'en ai fini avec ces sacs à problème. Moi, c'est décidé. Je resterai célibataire s'il le faut, mais la prochaine, elle sera parfaite ou rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Minet. Moi aussi, moi aussi. Eh, si on faisait un pacte, là, une femme parfaite ou rien. C'est OK pour moi. Oui, mais moi aussi, moi aussi. Ah, alors, tout pour là. Une femme parfaite ou rien. Là, ça devient très grave. Ça y est, le musclé, j'ai tout étudié sur la jalousie qui met en colère, mais surtout sur le mal d'amour. Oui, mais justement, vous avez intérêt très rapidement à trouver un sacré remède de cheval contre cette satanée maladie, parce que maintenant, ici, on se retrouve avec 3 malades et ils débloquent sérieusement. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites, Eric? Je prépare des bols de lait chaud. Ça fait 3 fois qu'il m'en réclame à côté. Encore heureux qu'il ne me demande pas des biberons. Parce que ça donne aussi envie du lait chaud, le mal d'amour. Mais disons que ça les fait patienter en attendant que vous ayez trouvé la femme idéale. Alors en fait, ça y est. Mais je suis désolée, Eric, mais je crois bien que c'est impossible. Je n'ai pas trouvé une
femme parfaite sur votre terre. Vous êtes sûr que vous avez bien cherché? Mais bien sûr, il y a des jeunes filles très bien, mais ils n'ont pas toutes des très bonnes qualités. Et puis, vous êtes sûr que vos amis n'accepteraient pas deux ou trois petits défauts? Ah non, inutile! Ils ont dit parfaite ou rien! Alors, je ne vois pas ce que je peux faire. Oh, quel voyage, mais quel voyage merveilleux! J'ai vu des choses extraordinaires. T'as vraiment raté, Eric, tu sais. Oui, mais toi aussi, mon vieux, tu as raté. Je sais, de là-haut. On voit tout, on entend tout. Bravo, c'est ça. Tu as continué de te pavaner dans les airs, sans bouger le petit doigt, alors que tes copains, eux, vivaient de gros problèmes. Mais c'est que je n'ai pas pu descendre quand je voulais, Eric. Tu crois qu'ils passent des bus toutes les demi-heures, toi, dans les hautes sphères? Enfin, tu aurais pu faire un effort. Mais attends, avant de rouspéter. J'ai ramené quelque chose de là-haut, moi, et qui va nous aider. Ah oui, tu as acheté une petite planète magique que tu as trouvée dans une boutique, c'est ça? Écoute-moi, à la fin, j'ai rencontré trois demoiselles qui m'ont laissé un message pour Ilgogue. Je suis sûre ce sont les trois grâces, c'est des très grandes amies. Quel est leur message, René? Oh bah là, alors, je l'ai appris par cœur, là. Je le savais. Ça va me revenir. C'est... Ah, ça y est, c'est... Koga, Yula, Pata, XX22. Mais oui, enfin, c'est évident. Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Mais bien sûr. Mais au fait, qu'est-ce que c'est, le truc? Mais le code, ils m'ont envoyé le code. Ah, voilà, c'est ça. Le code, hein. Mais il va servir à quoi, ce code? C'est simple, voyons. À synthétiser une femme parfaite pour Minet, Framboisier et Rémi. Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ah, oh, mais oui, c'est vrai que c'est d'une simplicité. Alors comme ça, Ilgogue, vous pouvez nous fabriquer la femme idéale. Hop! Il me faut juste quelques données caractéristiques et en quelques secondes, ça sera fait. Oui, mais quelles données caractéristiques? Par exemple, des éléments physiques. Voyons, votre femme, vous la voulez comment? Brune ou blonde? Ah ben, blonde, bien sûr. Mais non, mais brune, enfin, Eric. Non, vous êtes gonflé. Moi, je préfère les rousses. Ben, ça commence bien, tiens. J'ai une idée, moi. Pourquoi vous la feriez pas plutôt châtain, roux, auburn, très clair? Ah bah, moi, ça m'irait, ça. Hein? Oui, ça doit être joli. Mais dis-moi, René, comment tu sais que ça existe, cette couleur? Eh ben, en allant visiter les rayons en parfumerie du supermarché, tiens. On apprend des tas de choses sur les filles dans ces coins-là. D'accord? Oui, super. Passons à la taille. Vous la préférez très grande ou petite? Eh ben, grande, oui. Bien sûr. Ah non, pas trop quand même. Si on la faisait moyenne, d'accord? Bon, d'accord. Allez, ok. Hein? Okay. Et maintenant, les yeux, quelle couleur? De grands yeux bleus. Ah bah, moi, ce que j'aime, c'est les longs yeux noirs comme ça, en amande. Bah, moi, ça m'est égal, ça. Avec la couleur de cheveux que vous avez choisie, des yeux noisettes, ce serait parfait. Moi, je trouve qu'il a raison. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, bon, je suis. Oh, arrête, Rémi, on joue pas au poker, là. Je te signale qu'on bâtit la femme idéale. Voilà, qu'est-ce qui vous est compliqué? Si ça continue comme ça, je viens d'avoir pour des heures. Bah, il faut nous comprendre, Ilgogue. On n'a pas tous les mêmes goûts. Non, mais si on expliquait plutôt à Ilgogue tous les goûts qu'on a en commun, c'est oui. Mieux, ce serait plus facile. Non? Ça, c'est une très bonne idée. Bon, ben, il n'y en a pas un ici qui aime les planches à pain. Ah oui. Non. Les planches à pain, c'est-à-dire que ils veulent dire que enfin, les filles ont fait la conversation. Ouais. Les filles avec les grosses mamelles. En quelque sorte. Oui. Ok, et puis? Bah, je crois qu'on aime tous les cheveux longs. On a horreur des grands pieds et des grandes mains. Et des grands nez, vous savez. Par contre, la bouche pulpeuse. Ah, oui, la pulpeuse. Bon, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux commencer? Oui. Mais attendez, Ilgogue, vous oubliez le principal. Le principal? Bah oui, Ilgogue, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une fille est très jolie qu'elle est forcément très parfaite. Ah oui, vous parlez des qualités de votre femme parfaite. Oui. Eh bien, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout mémorisé hier avec la liste d'Eric. Ouais. Et t'es sûr que tu n'as rien oublié? Non, ça m'étonnerait. La preuve, votre femme parfaite, elle est obligée de la faire sur mesure. Sur Terre, il n'y en avait pas la disponible. Voilà, vous êtes prêts? Oui, oui. Allez. Votre femme parfaite, je vais la faire apparaître là. Goga Yula Pata XX22. Oh, quelle est belle! Mais on ne voit que sa tête.
patience, Framboisier. Ça se fait pas en 5 minutes, une femme parfaite. Alors, elle vous plaît, la musclée? Quelle merveille. Et elle a 20 sur 20. Oh oui, je vais pas m'en remettre. Ta gorge, elle est pas sèche, elle est pas sèche. Bonjour, je m'appelle Angélique. Oh, comme ma maman. Et je vous trouve tous très 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 beaux. Vous ne trouvez pas? Il fait chaud. Alors là, trop, c'est trop, là. Hein. Trop, c'est trop. J'en ai le souffle coupé. Vous avez vu comment elle me regarde? Ça y est, je suis amoureuse, c'est sûr. Oh, et René, c'est nous qu'on soigne, pas toi. Hein. Déjà qu'il n'y en a qu'une pour toi, René, calme-toi. Hein. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Pour vous, je me multiplierai. Oh oui, oui, oui. Oh. Oh. Vous n'avez pas besoin d'aide, Angélique? Oh non, pas du tout, Eric chéri. Allez vous reposer, votre plat préféré sera prêt dans une minute. Me reposer, mais c'est plutôt à vous de vous reposer. Vous êtes en balade avec René, en manucure avec Rémi, vous êtes au cinéma avec Miné, et en plus vous mangez en tête à tête avec Framboisier. Oh oui, mais c'est tellement agréable de se dédoubler et de faire tout ça en même temps. Oui, mais enfin, de temps en temps, vous n'auriez pas envie de faire quelque chose vraiment et toute seule? Moi? Oh non, ce que je préfère, c'est être avec vous, vous savez. Ah, ouais. Mais qu'est-ce qui va pas, Eric chéri? Je sens que vous manquez d'affection. Je ne m'occupe pas assez de vous? Je ne vous donne pas assez d'amour, peut-être? Oh non, ce n'est pas ça, non. Vous êtes parfaite. Bah oui, c'est comme ça qu'on m'a fabriqué, moi. Oui, je sais, oui. Mais écoutez, je suis désolé, mais il faut que j'aille faire des courses. Oh, vous voulez que je vienne avec vous? Ah non, vous ne réagissez pas, non. Préparez-moi mon petit dîner et ça suffira. Bon, d'accord. Je mettrai des chandelles sur la table, hein, comme vous aimez. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à l'heure. Tu t'en vas, Eric? Oui, je vais faire quelques courses. Ah, je peux venir avec toi? Mais tu viens à peine d'entrer. Oui, mais tu sais bien que j'aime prendre l'air. Après un bon dîner. Vous voulez que je vienne avec vous, Framboisier chéri? Non, merci, Angélique. Merci. Ah bon? Bah, je sais ce que je vais faire, alors. Je vais vous faire couler un bon bain pour que vous vous détendiez avant votre retour. C'est ça. D'accord? Ça, c'est une bonne idée. Merci. Eric, tu veux que je t'avoue quelque chose? Oui. J'en peux plus. Comment ça? Angélique, elle parle quand je veux qu'elle parle. Elle se tait quand je veux qu'elle se taise. Elle mange quand je veux qu'elle mange. Bref, elle fait tout ce que je veux quand je veux. Et tu veux que je te dise, ça me porte sur les nerfs. Je vois, je vois. Vas-y. Tu me trouves bizarre, hein? Bah, écoute, faut dire qu'il faut être un peu zinzin pour refuser une fille aussi parfaite. Belle, douce, intelligente. C'est bien ce que je me disais. Je suis malade. Va falloir que je me soigne. Te soigner? Ben, je vais te dire un truc. Si tu te trouves malade, mon pote, tu n'es pas tout seul. Ah parce bon? Que moi non plus, je ne la supporte plus, cette perfection. Tu comprends? Là, mon Miné, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu Angélie? Ben non, pour tout vous dire, je l'ai plutôt semée. Semée? Mais comment ça? Ben, j'ai fait l'endouce du cinoche. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien, justement. J'ai eu beau être très désagréable, elle m'a même pas flanqué une petite gifle. Non, tu vas tout de même pas nous dire que les gifles de Valériane te manquent. Ben si, et Valériane, elle avait du caractère. Quoi? Encore elle? Non, mais t'inquiète pas, mon Miné, celle-là, c'est celle de Rémi. Qu'est-ce que vous voulez à présent, mon chéri? Un petit encas? Un petit verre de lait? Tu vois? Non. Ce que j'aimerais, ce serait que vous, ce qui me ferait très très plaisir, c'est que oui. Vous téléphoniez à Françoise pour lui dire que je l'aime et que je veux la revoir. Avec plaisir. Alors là, je vais même lui dire que vous lui envoyez une gerbe d'or si vous voulez. Oui, ce sera... Bon bah, je vais les choisir moi-même alors, hein, pour être sûre qu'elles soient parfaites. Au revoir. C'est pour une femme, ça. Elle est même pas jalouse. Et tu crois qu'elle se mettrait une fois en colère au moins, même pas? Je ne me faisais pas bien la cuisine, celle-là. Non, on ne rate jamais un plat. Elle n'est même pas contrariante. Qu'est-ce que cela sent? Les copains, vous n'allez pas me trouver normal.
Mais moi, Angélique, je vous la laisse. Il y a des choses auxquelles je n'arrive pas à me faire, voilà. Quoi? Bah, au début, c'était drôle, ces balades en ville avec une jolie fille comme elle. Et... tous les hommes la regardaient et elle la regardait que moi. Et maintenant? Bah, et maintenant, j'en ai marre, moi, qu'elle me regarde avec des drôles de yeux comme ça. Voilà. J'ai pas l'habitude. Copain, on en est tous au même point. Bon, alors? Ouais, qu'est-ce que c'est ennuyeux d'avoir une femme parfaite? Le mal d'amour, ça fait mal, mais c'est drôlement plus excitant. Bonjour les musclés, alors c'est le bonheur? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? C'est-à-dire que, exactement, oui, nous avons tous un gros problème. Oui. Et il s'appelle Angélique. Ouais. Mais je ne comprends pas, vous la trouvez pourtant parfaite? Eh bien justement, elle est trop parfaite. C'est pas une femme, c'est un vrai robot amoureux. En fait, on veut dire que on préférait finalement les femmes pas trop parfaites, et même avec leurs défauts. Voilà, exactement. Alors là, les musclés, vous êtes vraiment trop capricieux. Si je comprends bien, vous aimeriez bien que j'efface Angélique de vos vies, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas, oui. Puisqu'il le faut, je vais l'appeler. Inutile, Hugo. J'ai tout entendu. Mais dites, je vais laisser une minute avant de partir. Bien sûr. Je voudrais dire adieu à mes musclés. Allez. Dites les musclés, je suis désolée. Il y a dû y avoir une petite erreur dans ma conception. Mais je viens de découvrir quelque chose. Je suis très, très susceptible. Oh.